dans la surface de réparation. Ballon. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Ghana. Et devinez qui était là. Ben oui, c'est toujours le même. Le capitaine, il a raté deux rencontres, mais il est revenu pour mettre l'ordre. Et toujours cette petite danse qu'on aime bien. Formidable ce qu'il a fait. On savait que les coups de pied arrêtés, il les aimait, hein, les Ghanéens. On l'a encore vu sur ce coup-là, avec un ballon superbement bien frappé par Badou. Dévié au premier poteau, de belle manière, d'une tête plongeante par Boy, me semble-t-il. Et derrière, regardez John Mansah qui vient là pour mettre sa tête tranquillement. Hein. Un peu trop tranquille même, à mon sens, par rapport aux défenseurs tunisiens. C'est presque pas normal. Ils étaient prévenus, les aigles de Carthage, que sur coup de pied arrêté, cette équipe ghanéenne était... On verrait un autre visage. Encore attention à ce ballon. C'est Boy qui coupe d'abord. La tête et l'égalisation. On est en train de le dire. On est en train de dire que pourquoi les Tunisiens n'iraient pas chercher l'égalisation maintenant. Ça a été un peu confus, mais ça l'a été avec le but de Khalifa au deuxième poteau. Regardez comme il va monter littéralement sur la tête de Nkoum. Il est à reculant Nkoum, tandis que lui, il avance, Khalifa. Donc c'est toujours plus facile d'aller chercher le ballon. Il trouve le petit filet sur ce centre de Daoudi. Daoudi. Et la Tunisie qui, on va dire, contre le... À Samoa. Ja, 4 gegen 3 jetzt hier im Strafraum. Und Fehler hier! Und André Ayew nützt diesen Patzer von Matluti aus. Welch ein Schnitzer von dem. Vorhin eine tolle Parade. Jetzt aber bringt er seine Mannschaft hier auf die Verliererstraße. Serviert André Ayew dieses Tor wie auf einem Tablett. Und der sagt Danke und guten Appetit. André Ayew mit dem 2:1 und Ghana geht wieder in Führung. Und das eigentlich wieder den Spielverlauf, denn die Tunesier haben hier mehr gemacht in dieser Verlängerung. Kamen mit mehr Unternehmungslust hier wieder raus. Dann aber dieser Fehlgriff von Matluti. Buxiert die Kugel vor die Füße von André Ayew und der muss sie nur mehr über die Linie schieben. Der neue Kapitän also. Trifft wie vorhin der erste, wie Mensah. Der machte das 1:2.